par exemple, rendez-vous avec un ministre fédéral qui peut être néerlandophone, qui parfois parle français, parfois pas. On se retrouve parfois à parler anglais dans certaines conversations, dans certaines discussions, parce que certaines personnes qui parlent français ne parlent pas néerlandais, et néerlandais c'est bon. Pousse ta tête et dans le champ. Donc ça, c'est juste une présentation de mon SBL. Après, on parlera un peu de la situation des personnes LGBT en Belgique. C'est assez compliqué d'en parler, mais bon, je ne vais pas vous dire maintenant, je ne sais pas comment on peut le faire, mais il y a plusieurs choses. Premièrement, quand on parle de personnes LGBT, on parle de personnes L, de personnes G, de personnes B, de personnes T, de personnes I maintenant. J'ai vu que LGBT plus, on a ajouté I qui est important, parce que c'est vraiment le grand. Le prochain grand combat au niveau législatif qu'on va mener. Mais donc parler aujourd'hui de vécu extrêmement différent est très compliqué. Le vécu d'une personne inter, d'une personne trans, d'une personne lesbienne n'est pas la même que d'un homme gay par exemple. Mais globalement, sans spécialement nous jeter des fleurs, je pense qu'on peut dire que en Belgique, les choses ont avancé au niveau législatif, je pense que j'ai rien à dire tout à l'heure. J'espère qu'on va y revenir tout à l'heure, mais au niveau législatif, j'ai beaucoup d'avancées depuis quand même de nombreuses années. On a été aussi, bon, on parle un peu de chauvinisme maintenant, mais il y a l'Europe chaque année aussi, un classement des pays européens les plus avancés en matière LGBT. On a été placé numéro 2 l'année dernière, ce qui est tout relatif parce que ça a été quelque chose qui a été défendu par les politiques. Tout le monde s'en est vanté, ça, évidemment, on est content. Maintenant, si on regarde un peu derrière quelles étaient les intentions et les raisons pour lesquelles on était numéro 2, c'est beaucoup plus complexe. Donc, globalement, en fait, cette législation a bien avancé. Au niveau on va dire, de la société, ça va. Il y a encore énormément de progrès qui peuvent être faits. Et c'est vraiment là-dessus que je vais mettre l'accent, c'est on est maintenant face à des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques qui vont dire bon, le mariage est passé, l'adoption est passée, la PMA est autorisée, la GPA n'est ni autorisée ni interdite, mais est pratiquée en Belgique depuis des années. Et donc finalement, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Finalement, tout a été fait, et nous, on va vraiment lutter pour maintenant réussir à avoir des suivis, de monter des projets, sensibiliser les gens, et on voit que les lois ont évolué, mais par contre, que la société a toujours du mal à évoluer sur cette question. Et ça, c'est vraiment un combat qui est beaucoup moins visible, évidemment, qu'une loi qui va être votée, qu'un ministre qui va faire une grande déclaration à la télé, c'est vraiment un travail de fond, de terrain, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Et donc, nous, c'est vraiment ça aujourd'hui notre combat quotidien. Évidemment, au niveau législatif, il y a toujours des choses qu'on pourra améliorer. Maintenant, vraiment sur le terrain, tous les jours, faire évoluer les mentalités, ça, c'est vraiment ce qu'on prend en bas pour le moment. Je pense que j'ai fini pour le Je voudrais commencer par souligner qu'on a déjà
voir les personnes LGBTI en Europe et en Europe en général. Je viens d'un pays où les personnes LGBT plus sont parfaitement transparentes pour le système légal. Il n'y a pas de légalité de mariage, ni les taxes ou quelques solutions équivalentes, pas de la protection contre le crime de haine, contre, par exemple, les pseudothérapies qui ont pour le but de changer l'orientation sexuelle, qui est dans le terme d'individu. C'est pratiqué en Pologne, malheureusement. La loi qui avait donné le cadre juridique pour les personnes transsexuelles a été jetée à la poubelle par le président de Pologne. Alors maintenant, la situation, du point de vue juridique, pas seulement la situation juridique qui est en train de se détériorer. Je vous préparais quelques citations qui ont été produites en avril. Citation numéro 1. Pologne sera un territoire nettoyé de LGBT. Citation numéro 2. On doit éliminer tous ceux qui ne sont pas dignes d'être une partie de notre communauté nationale. Et citation numéro 3, dans l'Ouest, il y a des choses encore pires, les nécrophiles, les pédophiles, les zoophiles, les LGBT et les autres pervers sont partout. Madame et messieurs, ce ne sont pas des citations de trolls anonymes sur Internet, c'est pas l'Internet, c'est pas l'anonyme. Citation numéro 1, le membre du Parlement polonais dans les médias. Citation numéro 2, c'est un membre du Sénat polonais, encore pendant une rencontre électorale, pendant les élections européennes. Citation numéro 3, donc 3, c'est encore une citation d'un membre qui est un membre du Parlement régional. Alors, maintenant, on se trouve dans une situation où les personnes LGBT sont vraiment une cible d'une campagne de l'aide, d'une campagne de sont en train d'être utilisées comme une communauté qui, pourquoi il est différent, va être, je ne sais pas, discriminé, justement pour que le gouvernement de droite polonais pense que ça va être profitable pour eux, profitable pendant leur campagne. Et c'est vraiment terrible, car moi, comme le seul éduqué qui est maintenant dans le conseil de Varsovie, je vois les choses comme ça, je suis un homme politique. Je suis bien accoutumé à être attaqué. Mais le problème, c'est que les personnes LGBT en Pologne, il y a probablement 10 millions de personnes LGBT en Pologne, sont décrites dans cette manière, sont victimes de crimes, sont victimes de tous dont je présentais. Alors, ce qu'on doit faire en Pologne, c'est vraiment lutter contre la discrimination, lutter contre l'intolérance. Et on utilise, on le fait dans le niveau où on a des compétences, alors au niveau local. À Varsovie maintenant, car notre maire de Varsovie est une personne très progressive. Maire Chastowski est vraiment un allié de la communauté LGBT. On a produit, on a signé la déclaration pour la communauté LGBT+,
Et le but de cette déclaration est de renforcer les droits de la communauté et des personnes LGBT+, en utilisant toutes les outils qui sont disponibles pour le gouvernement local au niveau municipal. Car au niveau central, comme je l'ai déjà dit, c'est absolument impossible et inimaginable d'avoir quelques, on peut dire, changements d'avis. Car selon moi, c'est absolument impossible pour le gouvernement de droite qui est maintenant au pouvoir de respecter les personnes LGBT et de renforcer les régimes légaux de protection. Et notre déclaration est vraiment importante. C'est le premier document en Pologne. C'est presque la première fois où un représentant de ville a décidé de déclarer un catalogue d'actions que nous allons prendre pendant cette année, l'année qui vient, pour améliorer la situation des personnes LGBT à la seule. Il y a un catalogue des actions qu'on va prendre, je ne sais pas si c'est le moment d'écrire un peu. Les pays
crois, le mariage qui, contrairement à la France, évidemment, il y a eu certains débats qui ont été un peu animés à l'époque, mais je tiens quand même à dire que nous, de Belgique, et surtout de Belgique francophone, on a vu ce qui s'est passé en France, ça a eu un impact vraiment énorme sur, sur pas mal de personnes LGBT qui ont vécu un débat en lequel ils n'avaient jamais vécu en Belgique. Il n'y a jamais eu autant de violence. Je sais qu'il y a pas mal de personnes finalement qui ont été à Paris pour certaines manifestations, etc. Tellement ça a été vraiment profondément, extrêmement choquant en Belgique. Pour revenir par rapport à la législation, donc 2003, le mariage, l'adoption n'a pas passé à ce moment-là parce qu'on avait peur que les catholiques et certains libéraux le bloquent, donc c'est pour ça que ça s'est passé 2 ans plus tard. Et là, à nouveau, les débats n'ont pas été aussi enflammés qu'en France. Il y a majoritairement les catholiques été contre, certains libéraux, mais sinon la majorité de la classe politique était plutôt pour à l'époque. Donc mariage-adoption, en 2007 il y a eu une loi anti-discrimination, donc on a 19 critères protégés maintenant, dont l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui permettent justement de pouvoir déposer plainte plus facilement et de voir en tout cas cet aspect protégé par la loi. 2012, c'est une autre date qui est importante. 2007, il y a la PMA aussi. Hein. Donc, 2007, il y a l'anti-discrimination et la PMA. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression justement les Thalys. Il y a énormément de femmes, d'ailleurs célibataires ou en couple, qui passent la frontière. Je ne dirais pas qu'il y ait une forme de fierté au niveau belge, parce que pour nous, c'est des questions qui ne se posent pas et qui n'ont pas fait grand débat. Et donc, le fait de se dire que certaines personnes passent la frontière pour venir en Belgique, je pense que c'est. Au mieux, ça serait une fierté, au pire, je pense que tout le monde s'en fiche, pour être honnête. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même relativement content de voir qu'on a avancé sur ces questions-là et que ça peut bénéficier à d'autres personnes. C'est une bonne chose. En 2012, il y a un événement quand même dont je dois parler, parce que même si on voit que les lois avaient déjà avancé, en 2012, il y a eu l'assassinat d'Issane Jarfi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc un jeune homme d'une trentaine d'années qui a été assassiné à la sortie d'une boîte de nuit. Les hommes l'attendaient, une boîte de nuit d'ailleurs à 500 mètres du bureau dans lequel on travaille. Voilà, c'est un événement dont je dois parler parce qu'après évidemment ça a aussi eu un impact au niveau politique, au niveau de la loi. Donc comme je vous disais, les choses avaient avancé et on voit quand même qu'un jeune de 32 ans qui simplement est sorti avec ses amis en boîte de nuit, prendre par 4 mecs qui attendaient devant à 4h du matin, qui l'ont torturé, qui l'ont emmené dans un champ. Et d'ailleurs, vraiment, mini parenthèse, mais son père, qui est déjà maintenant une fondation, dit toujours que Issane avait été assassiné parce qu'il était homosexuel, parce que ses agresseurs étaient homophobes. Et je pense que c'est une phrase qu'on doit retenir et qu'on doit véhiculer quand on parle de personnes qui vont être emprisonnées, pénalisées, etc. en raison de leur homosexualité. Je pense qu'on peut essayer de voir ces choses d'une autre manière. Bref, je reviens sur la législation. En 2012, évidemment, il se passe ça avec Issane. Les politiques vont dire « Ah mais oui, mais on n'a pas fait assez de choses, etc. » Donc l'homophobie passe une circonstance à l'avance. Et donc il y a eu un procès. Il y a deux des assassins qui ont été condamnés à la perpétuité et une personne à 30 ans. Et après, pour revenir ici plus proche de nous, en 2017, il y a eu énormément de travail justement sur les personnes trans, qui étaient quand même les grands oubliés des avancées qui avaient été réalisées en Belgique. Et donc, au mois de juin 2018, il y a finalement une loi qui est passée qui facilite le changement d'enregistrement du sexe, comme ils le disent, le changement d'état civil. Donc, avant, il y avait la stérilisation, il y avait le psychiatre. C'était extrêmement compliqué. Maintenant, c'est pas aussi facile qu'on l'aurait voulu, mais globalement, plus besoin d'avoir un psychiatre et possibilité d'aller simplement à la commune ou à la mairie si on était en France, de signer quelques papiers et de déclarer qu'on désire changer le M en F ou le F en M. Cette loi va parfaite, des associations. Soutien l'ont attaqué justement par rapport au fait que c'est binaire. Donc on peut soit être femme, soit être F, mais bon, toutes les personnes qui ont un genre fluide, ces personnes ne rentrent
théorie-là, on ne peut le faire qu'une fois. Bref, cette loi n'est pas parfaite, elle ne parle pas non plus des ados trans, mais en tout cas, c'est quand même une grande avancée de dire le fait qu'il n'y ait plus de médicalisation et plus de psychiatrisation. Donc voilà, après, ici, et je le disais en commençant, la GPA, donc GPA, pas de législation, donc en gros, c'est pratiqué, c'est pas interdit, c'est pas autorisé, ça se fait. Et les grands oubliés, évidemment, maintenant, c'est les personnes intersexes. Et donc là, on est en train de travailler justement avec l'Institut de travail de lobbying pour adopter une loi au niveau fédéral. Vous dites, c'est vrai qu'il y avait un mot, un commentaire sur les Pays-Bas? Non, j'ai réagi sur l'histoire de la PMA, parce que c'est un des combats que nous menons en France. C'est une loi qui doit paraître, alors depuis monsieur, notre précédent président de la République, qui avait dit qu'il était favorable et que ça passerait avant la fin de son mandat, l'arrivée du nouveau président de la République qui dit qu'il y est favorable, qui repousse au calendrier grec régulièrement, là ça devrait discuter en conseil des ministres peut-être au mois de juillet, si les gilets jaunes ne les en empêchent pas. Donc la PMA chez nous est vraiment à l'heure actuelle le monstre du Loch Ness, le serpent de mer, ça revient. Alors c'est aussi, alors là par contre, je ne vais pas me faire que des amis, c'est aussi un peu de notre faute. C'est vrai qu'après la loi pour le mariage pour tous, il y a eu en France une grande baisse dans les mouvements LGBT. Parce que c'est vrai que les garçons, il faut le dire, les gays, n'étaient pas tellement sensibles au problème de la PMA. Et qu'il y a eu vraiment. Et que, en fait, ce phénomène de PMA se réveille maintenant, la lutte a repris. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de retour en arrière. À l'heure actuelle, la manif pour tous est pour nous encore très présente. Hein. Ils sont là. Madame Boutin est encore le drapeau en avant. Elle résiste malgré le temps. Mais c'est vrai que la PMA est encore pour nous un sujet de préoccupation. On n'arrive pas, on ne parle pas de la GPA à l'heure actuelle. L'adoption s'améliore un petit peu, et sur les programmes trans, si Jérôme accepte cette discussion, je préférerais que Christine vienne nous parler un peu des problèmes trans en France, de ce qui reste à acquérir, parce que c'est notre spécialiste, et moi je risque de dire des bêtises, comme d'habitude. Donc si tu lui accordes 2-3 petites minutes pour qu'elle puisse nous en parler. Sur lequel vous vouliez appuyer à Varsovie dans un pays qui, on l'a vu,
voire très important. Très important car si on a les hommes politiques qui utilisent l'attaque contre la communauté LGBT comme une stratégie électorale, comparer la personne LGBT avec les pédophiles, c'est une stratégie qui est terrible, qui est cynicale et qui est vraiment inacceptable. Exactement ce qui se passe. Pour lutter, pour prendre les mesures contre les propagandes qui le gouvernement de Douma maintenant contre la société, qui n'est pas très bien éduquée. Ce que je veux dire, c'est que le niveau de conscience dans la société polonaise est vraiment bas. Pour la plupart de gens en Pologne, les personnes LGBT sont inconnues, sont quelque chose de bizarre. Ce sont ces gens qui vivent dans les grandes villes et portent la conscience. C'est l'image qui est très répandue en Pologne. Alors, le mesure qu'on va prendre à la survie pour le changer, c'est principalement l'éducation. C'est notre obligation maintenant, selon la déclaration de l'OGBT, d'introduire aux écoles à Varsovie l'éducation antidiscriminatoire, l'éducation sexuelle. Non, malheureusement, les élèves en Pologne n'ont pas de leçons sur ces sujets. Ça a été éliminé par le gouvernement de droite. On n'existe pas. Passé. Alors, la déclaration, c'est très concentrée sur l'éducation. Car nous sommes sûrs que ce sont les élèves, ce sont les gens qu'on va adresser pour changer la situation. Mais pour améliorer la situation maintenant, il y a un tas de mesures qu'on va appliquer. Avoir le fait ici et maintenant. Pour commencer, on doit établir un système de rapporter les crimes de la haine, car la police qui est un haut pouvoir subordonné au ministre ne veut pas créer les statistiques correctes. C'est un problème pour les personnes LGBT plus de rapporter ces crimes aux polices qui est de temps en temps homophobe. Alors la police municipale, qui est une institution municipale, va être entraînée pour adresser cette situation et pour rapporter tous ces crimes qui sont provoqués par la orientation sexuelle ou la identité de genre. L'autre chose qui est selon moi très importante, d'établir cette institution qui on appelle l'hôtel LGBT. C'est une institution qui va adresser le problème que spécialement le jeune LGBT font face. Parce que les personnes LGBT plus sont transparentes pour le système légal, pour le système juridique. Si une jeune personne LGBT est jetée de la maison par ses parents homophobes, ça passe en Pologne, cette personne ne peut pas bénéficier d'un système de protection garanti, par exemple, pour les femmes qui sont les victimes de la violence domestique. Alors, il est nécessaire de créer un espace en Pologne où toutes les personnes LGBT qui ont un problème comme ça peuvent trouver aide, peuvent être supportées par le système social. Oui, car normalement, si on suit le chemin pour les autres personnes, ce n'est pas un critère qui est pris en compte. L'autre
ben, le centre pour la communauté LGBT+, pour achever au niveau des visibilités plus grandes. Je suis sûr que grâce à ce centre, plus de personnes peuvent voir que les personnes LGBT sont partout, qu'ils ne sont pas dangereux pour la société. Si tous les citoyens et citoyennes de la société peuvent bénéficier de centres comme ça, connaît les personnes LGBT+, mieux, on va juste changer la vie de personnes qui, pour cette raison, sont encore en Europe. Merci. L'avocate Gisèle Halimi défend la clause de l'européenne la plus favorisée. C'est ce qui permettrait, au cas où l'Union européenne fasse une législation qui a un impact sur la vie des femmes, se baser sur la législation nationale qui est la plus favorable. Et elle inclut aussi les droits des personnes LGBTI dans cette proposition. Est-ce que du coup, vu l'Espagne qui est peut-être un peu plus avancée par rapport à d'autres pays, est-ce que pour vous ça vous semble une bonne chose, alors que la clause par rapport à la législation même des communautés autonomes, parce qu'on a vu que ce n'était pas forcément la même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut porter au niveau européen, ou est-ce que c'est chaque État, voire chaque communauté autonome, chaque entité infra-nationale. Comme un acquis, c'est acquis pour le moment.
institutionnellement. Donc évidemment, la Belgique aimerait que ça soit porté au niveau européen. Maintenant, je pense aussi qu'on est face à, en Belgique, un phénomène un peu de greenwashing aussi. Je voulais revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que les personnes LGBTI étaient instrumentalisées pour les élections. Nous, c'est le cas également dans une moindre mesure, mais plutôt à l'inverse. Où maintenant, c'est plutôt mal vu en Belgique pour les élections de tenir des discours qui sont homophobes, transphobes, etc. Et donc tous les partis vont dire « Ah, mais oui, mais ça c'est génial. » Et donc évidemment, c'est excellent, mais après, nous, on se retrouve aussi face à des partis qui vont juste le dire pendant les campagnes, parce que c'est mal vu d'être... évidemment, on n'est pas en train de s'en plaindre vraiment, mais c'est vrai. Participer dans le procès de créer la déclaration,
que la situation des personnes du cœur va s'améliorer car les Ukrainiens sont relativement oubliés ou acceptés par la société polonaise. C'est pas la même chose si on pense de pays du monde, par exemple la Tchétchénie. Dans les années, il y a longtemps, pendant la première guerre en Tchétchénie, Pologne a accueilli beaucoup de réfugiés de Tchétchénie, presque 40 000, je pense. Mais c'était avant la crise des réfugiés, c'était avant la propagande de l'extrême droite polonaise qui a vraiment réduit le niveau de tolérance dans la société polonaise. Alors, malheureusement, j'ai l'impression que les personnes LGBTI qui viennent en Pologne et qui sont d'origine, qui sont réfugiées, je pense que ces personnes vont faire face à double discrimination, à double attaque. D'un côté, d'être une personne LGBTI qui de temps en temps ici en Pologne, et d'autre côté, d'être un réfugié d'un pays qui est culturellement différent en Pologne. J'ai l'impression que sur le sujet, on a vraiment beaucoup plus à faire pour démontrer aux citoyens et citoyennes polonaises que ce sont les hommes et les femmes égales à nous, que ce sont des personnes qui peuvent être accueillies et qui ne sont pas en danger. Parce qu'il y a un autre sujet qui peut être très intéressant dans la comparaison, et en plus on demandera l'avis à nos amis polonais, belges et espagnols. On a fait venir ici, et je vais laisser le temps à Jean René d'aller jusqu'à l'ordinateur, ce qu'il fait avec ses députés, parler un peu des problèmes LGBTI dans le monde du travail. Il ne faut pas oublier ce monde-là, parce qu'il y a la vie de tous les jours. Il y a aussi le monde du travail, et votre cercle, qui est un de nos partenaires, fait un énorme travail sur ce sujet-là. Et donc, ils ont préparé un petit PowerPoint. Et comme ça, on pourra faire un tour sur le monde du travail avant de passer aux questions. Et on aura un état comparatif complet. Merci beaucoup. Déjà, merci de donner la parole et d'avoir invité. Et puis, merci pour l'organisation aussi de cette journée. C'était vraiment, tous les intervenants, c'était vraiment très intéressant. Et la capitale de l'Occitanie, on le connaît, Perpignan. Voilà, c'est ça. On se dit qu'on a pas mal à s'inspirer des autres départements, en tout cas, dans l'Occitanie. Donc, en ce qui concerne, moi, je vais vous faire une rapide présentation de l'entreprise et des formes d'organisation du travail. C'est vrai que Jean-Louis m'avait demandé de vous faire une intervention sur le cadre législatif dans l'emploi. Donc, je suis parti de là, mais voir, j'ai un petit peu dévié dans la présentation. Donc, quand on a affaire à un public peut-être un petit peu moins averti que vous, ou quand on a affaire à des dirigeants d'entreprise, des DRH, ou même dans les administrations, on a souvent affaire à quelques résistances. Du coup, sur la prochaine slide, vous allez voir. Donc, dans ces résistances, on a la première, c'est justement, c'est la vie privée. Ça n'a pas à être traité en entreprise. Vous pouvez faire des fiches. Effectivement, c'est pas un argument qui est retenable parce que c'est un argument qui va être utilisé seulement pour les personnes LGBT. Il faut savoir que tous, au niveau de la machine à café, dans les temps informels, on est amené à parler de ce qu'on a fait le week-end, de qui on est parti et de ce qu'on a fait de ses congés, par exemple. Donc, la deuxième résistance, c'est qu'on va nous avancer, écoutez, non, on ne parle pas de sexualité en entreprise. Donc, effectivement, on ne va pas vous demander ce qui se passe dans votre chambre à coucher, pas d'inquiétude. Quand on va parler, par exemple, d'homosexualité ou de transidentité en entreprise, ça va être aussi parler plus largement de vie.
vie affective, de vie sentimentale, de conjugalité, de parentalité, et de leur prise en compte dans les politiques RH et les politiques d'entreprise. Par exemple, si je souhaite affilier mon ou ma conjointe dans la mutuelle entreprise, est-ce que je peux le faire en toute confidentialité sans que ça procède au dévoilement de mon orientation sexuelle, entre autres. Donc sur la prochaine slide, vous allez voir, il y a un état des lieux législatif. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a sur la slide. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que depuis 2004, en fait, avec le label diversité, la charte des diversités, il y a une normalisation des pratiques, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 300 entreprises qui sont signataires de cette charte, ce qu'on appelle aussi, c'est la norme AFNOR. Et sur ces 300 entreprises, 9 sur 10 déclarent avoir une politique en faveur de la diversité. Donc on peut se dire, bah, chouette, très très bien, on n'a plus rien à faire, sauf que bah, cette politique de diversité, c'est majoritairement sur 3 aspects. L'intergénérationnel sur les personnes seniors, le handicap et l'égalité homme-femme. Donc, malheureusement, sur tout ce qui est problématique LGBT, plus, on est un petit peu en retard. Et notamment, ce qu'on peut voir sur la prochaine slide, du coup, c'est que sur le terrain, on se rend compte que le vécu des personnes LGBT dans le monde du travail est un petit peu différent de ce que des avancées législatives. Il faut savoir qu'en France, on a entre 1 et 2 millions de salariés qui se cachent en entreprise, c'est-à-dire qui vont adopter des stratégies d'invisibilité pour ne pas qu'on sache leur orientation sexuelle ou s'ils sont en parcours de transition. Ces mises en place de stratégies d'invisibilisation, elles sont faites par crainte d'être exclues ou discriminées. Et on peut notamment donner raison à cette crainte, parce que quand vous allez voir les chiffres sur la prochaine slide, au niveau de l'état des lieux des personnes, enfin de ce qu'on peut retirer au niveau statistique, en tout cas de l'état des lieux de la situation des LGBT au travail, on a à peu près 20% des personnes LGBT qui ont été discriminées dans le travail au cours de la vie. C'est assez énorme. 39% ont fait l'objet d'attitudes ou de commentaires négatifs au travail. 44% des personnes transidentitaires déclarent avoir été discriminées au moment de l'embauche. 35% dans leur cadre de travail au cours des 12 derniers mois. Donc c'est assez important. 13% des personnes LGBT ont été questionnées sur l'orientation sexuelle lors de l'entretien d'embauche. Savoir que c'est inévitable. Et ça se fait. 12% des personnes LGBT considèrent avoir été évincées d'une promotion. Il faut savoir que si on compare avec l'aspect égalité homme-femme, pour les femmes, souvent on parle de plafond de verre, et pour les personnes LGBT, on va parler de plafond rose. Parce qu'on est dans les mêmes difficultés, d'un moment de progression que les. Si en plus on est femme LGBT, vraiment dans les discriminations. Bon, on va parler aussi un petit peu des hommes aussi. Il faut savoir qu'un homme homosexuel en moyenne gagne à peu près 6% de moins qu'un homme hétérosexuel à cause des liens. Les chiffres sont vraiment parlants. Et du coup, ça me permet de faire la transition pour vous parler quel est le rôle de l'autre cercle, de l'association que je représente aujourd'hui par rapport à ces questions-là. Donc il faut savoir que l'autre cercle, c'est une association qui a à peu près 21 années et qui œuvre pour un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux des personnes dans toute leur diversité, quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc on a trois piliers principaux. Ça va être observer et attester de la situation des personnes LGBT dans le monde du travail et accompagner, fédérer, engager les acteurs du monde du travail et les membres de l'autre cercle aussi. Donc, il faut savoir, même si on est 350, on est une association de bénévoles, donc on le fait avec différentes valeurs, moins de pragmatisme, en disant que chacun en a, on fait au mieux avec le temps et les moyens qu'on a aussi. Donc, notre objectif, vous pouvez voir sur la prochaine slide, ça va être
définir jusqu'au bout, du coup, ça va être justement d'accompagner les entreprises et toutes les organisations du travail vers une valorisation de la diversité, une promotion de l'inclusion. Donc c'est vrai qu'on va avoir des difficultés à rentrer en contact avec les formes d'organisation qui sont plutôt au niveau 1, leur maturation, qui discriminent ou qui harcèlent, parce que c'est difficile de discuter avec des personnes qui ne vous considèrent pas. Mais si on est plutôt dans une politique d'entreprise où il n'y a aucune action, où il n'y a pas de visibilité, là on peut commencer à rentrer en contact et à discuter pour mettre en place notamment une signature de charte ou des actions de sensibilisation, des managers, des RH, voilà, qui est visibilité. Alors, moi, ce que j'aimerais vous retenir de mon intervention, en conclusion, c'est que les LGBT-phobies existent en entreprise, sous plein de formes différentes. Quand je vais lier les statistiques, ça va de l'embauche à la promotion, aux mobilités, par exemple, pour les organisations internationales. Si on propose, je ne sais pas, une mobilité en Tchétchénie, comme on en a parlé, si vous êtes LGBT, vous allez peut-être vous poser la question un peu fois avant d'accepter un poste. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui concerne les organisations de travail, l'entreprise ou même les administrations publiques, dans son ensemble, qu'on soit simple agent, manager, RH ou représentant syndical ou délégué du personnel. Que vraiment l'objectif c'est pas de donner des privilèges aux personnes LGBT mais c'est de tendre vers une égalité dans son ensemble et vraiment l'enjeu c'est le bien-être au travail de l'ensemble des salariés, des agents, leur possible visibilité, la performance de l'entreprise. Pourquoi je dis performance? C'est parce que toute l'énergie que vous n'avez pas utilisée à vous cacher, vous pouvez la mettre à justement à faire votre travail de la meilleure façon possible. Et en fait, tous les chiffres que je vous ai donnés, toute l'information que je vous ai communiquée aujourd'hui, si c'est un sujet qui vous intéresse, enfin, c'est pas des chiffres que j'ai inventés moi dans mon petit coin, c'est des chiffres qui sont ici différentes publications que vous pouvez aller creuser. Donc vous avez le livre blanc de notre cercle qui est paru en 2014, plus récemment l'employeur fait son coming out, ou d'autres outils qu'on a créés, par exemple un guide qui est issu de la région PACA, donc de l'autre côté de l'Occitanie, sur les bonnes pratiques pour les DRH et les managements. Voilà. Et puis d'autres, vous avez des sondages IFOP sur l'état des lieux, la situation des LGBT en France qui est paru en 2018, donc quand même des choses qui sont assez récentes. Voilà. Et du coup, voilà, pour finir, vous avez mon adresse mail et mon téléphone. Si jamais vous voulez me contacter pour suivre les échanges. Merci pour votre écoute. Avocat, je vais te dire,
suis d'accord, totalement d'accord que c'est vraiment important pour le personnel LGBT de pouvoir être ouvert par librement de l'orientation sexuelle dans le contexte professionnel. Toutes les sociologues sont d'accord que c'est vraiment un contexte très important. Si yo quería comentar una anécdota en relación con el tema del trabajo, yo quería sino raconter una anécdota sobre el mundo del trabajo, es porque yo al terminar la carrera empecé a trabajar en la notaría y la comencé, y cuando la fin de sus estudios de la universidad, la comencé a trabajar en el chile en notaire. Eran, bueno, típico, eran muy estirados y cruces por todos lados, y se tiran personal y daba un poco de miedo, la verdad. Il avait quand même un peu peur. Non pour nada, sino porque tenía miedo que me preguntaran por mi pareja. Y realmente dice eso. Elle avait peur de qu'il lui pose des questions sur son orientation, son couple, sa compagne. Y es una tontería porque en España, pues bueno, hay asociaciones de empresas que son agrupaciones que intentan llevar al nivel empresarial todo el tema de igualdad legal en el trabajo. En Espagne, il existe des entreprises qui essayent de mettre en œuvre toute l'égalité dans le monde du travail. Il y a des notaires et des cabinets d'avocats friendly. Il y a la législation estatale de l'Estatut de los Trabajadores, la législation laboral se protège le thème de la discrimination, est prohibida la discrimination des travailleurs pour ser orientation ou identité de genre. Et dans la législation du travail, c'est écrit, on le voit à l'esprit, que la discrimination contre les personnes LGBT ou pour orientation sexuelle, etc. est interdite. Además, la protection y del crecimiento laboral, que hay un crecimiento muy rápido, que es la protección de derechos fundamentales, en estos casos. Il y a une procédure très rapide dans ces cas-là, et c'est quand même très. Pero bueno, aún así, da miedo. A mí me dio miedo y sé que mucha gente que, pues, yo soy abogada de cliente, pues, dice, no le digo nada de mi orientación, no voy a ser que se me vaya, que a mí me interesa tener cliente. Que, malgré todos los dispositivos que hay en España, toda la legislación de trabajo, etc., elle a peur de dire parfois a su cliente su orientación. Y es por eso que esto es bonito, pero también a veces es muy difícil tener pruebas para ir a denunciar. ¿O esa persona por qué me ha despedido? ¿Cuál es el motivo? ¿Se ha enterado de orientación sexual? ¿Despido? ¿Por qué? ¿Qué prueba tienes? Ninguna. Te pone una excusa y adiós. Y aquí tienes el finiquito de tu casa. Y es muy complicado también de probar a nivel legal que la gente. Elle a été licenciée à cause de son orientation sexuelle ou d'autres, parce que c'est très difficile à trouver des preuves vraiment pour qu'elle puisse montrer aux. Et surtout, les personnes trans, les personnes qui pues, le tienen mucho más complicado, surtout le cambio de la tarjeta, le DNI. En Espagne, il y a une normative que ahora se ha suavizado, pero exigía que se complicado cambiarse el DNI. Se ha suavizado, pero sigue siendo difícil. Y c'est surtout compliqué pour les personnes trans, surtout que c'est très compliqué changer le sexe, entre guillemets, dans la carte d'identité. Por lo tanto, muchas veces hay un paro del 43% o 44% de personas transexuales porque son directamente, es que en la entrevista de trabajo se quedan ahí. Y el chômage est très élevé dans les secteurs d'arrivée. Transsexuelles à cause de ça, parce qu'elles ne passent pas les entretiens, parce qu'on voit dans son qu'on voit dans sa carte d'identité. Et pour le tanto, de termino, básicamente, que estamos en un país, España, muy abierto, hay muchas leyes que protegen a las personas del LGTBI de forma transversal, es muy importante, pero a veces en la práctica cuesta y cuesta probar cosas. Y es simplemente eso, que evidentemente en Polonia pues será mucho peor, está claro que es mucho peor. Pero que a veces también cuesta arrancar a veces porque hay de todo. Y por finalizar, que en España es un país libre y que hay plein de lois que protegen.
Merci à tous nos intervenants. On a le temps de prendre quelques questions. Vous êtes rapides pour poser vos questions et plus nombreuses elles seront. Donc il y a un micro qui va circuler. Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup pour la qualité de toutes vos interventions. J'ai deux questions. L'une à l'égard de vous, M. Perret. J'ai cru comprendre que la Russie avait quelque chose à voir avec le financement de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc j'ai besoin d'un éclaircissement là-dessus parce que je ne comprends rien du tout. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je voulais, à l'égard de notre député polonais, je voulais savoir si les mouvements LGBT en Pologne s'étaient rapprochés des mouvements de libération des femmes. Parce que historiquement, les deux luttes sont liées. Et que quand on travaille sur les stéréotypes de genre et sur l'égalité homme-femme, on travaille évidemment aussi sur les droits des LGBT. Merci. Moi, c'était par rapport aux chiffres. Donc, on sait qu'en France, il y a une augmentation de 15% des actes, des agressions homophobes. On estime qu'il y a au moins une agression tous les 3 jours. Je voulais connaître les chiffres moi, en Pologne et s'il y avait des chiffres sur les agressions LGBT. Catastrophiste pour observer les mots, tout ça, un peu d'intervenant.
sont la base de ce type d'écrit et d'impression sont quelque chose de sérieux. On voit que par exemple, les personnes qui sont jugées par ce crime reçoivent le verdict finalement trop faible en comparaison avec les autres types de crimes. Alors, je pense que si on voit les statistiques, c'est vraiment on voit signer la lame, car on voit que la tendance est dans les autres pays, en fait, que ça s'influence. La réponse de l'État n'est pas. La situation est loin d'être simple ni réglée, même si certains endroits sont plus en avance que d'autres. Par rapport à cette rencontre, la question que je voudrais poser, vous semble-t-il aujourd'hui envisageable que, indépendamment de nos actions spécifiques dans nos secteurs, dans les secteurs qui sont les nôtres, est-ce que nous pouvons envisager à certains moments des interventions communes auprès de la Cour européenne, notamment des droits de l'homme? Et est-ce que nous pouvons explorer la manière, même s'il y a une diversité de nos représentants dans les pays respectifs, de nos représentants politiques, n'est-il pas possible d'envisager, y compris de façon conjuguée, ensemble, de faire pression auprès de ces personnes, parce que les propos que vous nous avez rapportés sont absolument indignes aujourd'hui de gens représentant leur peuple. Parce que qualifier comme ils ont pu qualifier les personnes homosexuelles, ce n'est pas tenir compte, un, qu'il s'agit de personnes, et ce n'est pas tenir compte du fait que l'homophobie est extrêmement destructrice des êtres qui vivent ces discriminations, et destructrice y compris de la production, de leur travail, destructrice de la relation humaine. Et c'est pas pensable que des gens normalement constitués, y compris dans leur diversité politique, puissent accréditer les comportements qu'ils peuvent avoir. Voilà, je vous remercie. Mais la question, est-ce que ça vous paraît envisageable? Parce que nous faisons les uns les autres dans nos secteurs respectifs tous nos efforts pour faire reculer la discrimination, mais en s'y mettant un peu plus ensemble, les diverses associations et dans les divers pays, peut-être que ça amènera à se poser des questions au niveau des. Merci beaucoup pour la question. On va prendre une dernière question tout au fond là-bas. C'était tout l'objet de ce qu'on a fait avec le mouvement européen.
que ça démarre quelque part, donc autant que ça soit ici. Et je pense qu'à juste avant les élections européennes, c'était important. Et ça sera à vous de nous pousser, association, à continuer ce partenariat qui, pour ma part, je pense, est particulièrement important. Pour la question des adolescents, effectivement, les adolescents, alors dans nos associations, jusqu'à présent, on n'avait pas le droit d'accueillir de mineurs. La loi a changé, donc on peut en accueillir s'ils veulent venir. Il n'y a plus de restrictions quant à l'âge. Et un mineur peut même, sous certaines conditions, faire partie du conseil d'administration de l'association. Donc en France, ça a beaucoup évolué. Par contre, ce qu'on a de plus en plus, c'est des parents qui accompagnent leurs enfants dans des problèmes d'identité sexuelle. On en a, je peux vous dire ici, Christine est partie parce qu'elle avait d'autres obligations, mais on a une permanence le vendredi, tous les vendredis, systématiquement, on a des entretiens, elle fait de l'accompagnement, elle les suit, mais on a de plus en plus de parents qui participent. Et c'est ça qui est important. C'est que moi, avant-hier, je vous raconte une anecdote, j'ai une maman qui m'a téléphoné en me disant, écoutez, je suis perdu. Mon docteur me dit que ce n'est pas une maladie, mais qu'il ne sait pas comment faire. J'ai vu une psychologue qui avait l'air de descendre de la lune. Mais moi, la semaine dernière, c'était les 13 ans de mon fils, et il m'a demandé d'avoir des vêtements de fille. Et je suis allé avec lui au magasin, et j'ai jamais vu un gamin aussi heureux. Il avait des lumières dans les yeux, mais qu'elle nous appelle avant que le gamin puisse réaliser ça avec ses parents, c'est vachement bien. En plus, qu'elle nous appelle parce qu'elle veut l'accompagner, je trouve ça merveilleux. Alors effectivement, là, il y a une évolution que nous, on ressent ici à Perpignan, hein, depuis le début de l'année, et même déjà l'an dernier, qui est très important. Je vous dis actuellement, on doit avoir près d'une dizaine de gamins avec les parents dont on réalise en partie l'accompagnement. Et ça, je pense que c'est particulièrement important. Ça, c'est une lueur d'espoir. Et puis, bon, Marie-Pierre pourrait témoigner sur les interventions du milieu scolaire. Alors, il nous manque effectivement, à l'équipe, une tranche d'âge, mais je crois que c'est un peu partout pareil. C'est la tranche d'âge des étudiants. On a un petit peu de mal. On a une grosse université à Perpignan de 2000 étudiants. On n'a pas un seul adhérent de l'université, à part qu'il n'y a pas de LGBT à la fac. D'accord ? Bon, sauf Jean-René, qui est une exception qui confirme la règle. Mais à croire qu'on a du mal. Alors maintenant, on a un étudiant, un vieil étudiant, mais un étudiant tout de même. Mais parce qu'il a adhéré hier. Donc je vous invite à le faire, comme tout le monde, comme adhésion. Mais non, non, c'est l'espoir. Ça, par contre, au niveau des enfants et des adolescents, on ressent vraiment une nette évolution et une avancée sur le côté-là. C'est ce qui nous permet d'avoir l'espoir. Je crois que c'est ça qui est important. Pour la deuxième question de M. Oui, c'est absolument inacceptable ce qui se passe maintenant dans la plupart des pays. Des choses inimaginables il y a 20 ans au lieu de notre temps. Vous voyez, je suis fier, je suis libre, je veux protéger ma dignité et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, c'est très important de vraiment lutter contre ce langage raciste qui a apparu dans notre débat public. Alors, c'est fantastique de savoir s'il y a plus de personnes qui pensent que c'est aussi inacceptable qui vont faire la même chose en France partout dans le monde. Il est là. Alors, il y a une association qui n'est pas là. Nous avons Marek, qui est élu de la ville de Varsovie, mais il y a une association polonaise qui ne pouvait pas être là pour signer la charte, qui l'a signée. On a sa signature déjà donc, sur l'exemplaire, parce que le président avait du mal à se déplacer. Mais donc, Milena, vous nous présentez tout de même cette association polonaise. Peut-être que Marek après pourra en dire quelques mots, sinon faire. Nos amis. Voilà, et après on passera à la signature de l'appel de Perpignan. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. On vous le fera passer, rassurez-vous. Vous connaissez mes mails innombrables et donc les adhérents de LGBT l'auront fatalement copié. Et puis on va partager le verbe de l'amitié, comme on sait si bien dire. LGBT aime les verbes de l'amitié, c'est connu. Alors moi je suis mandatée pour présenter l'association Stonewall Europa de Poznań, qui est signataire de l'appel de Perpignan. C'est une association qui a été créée en 2013 et c'est Agnieszka Franczak
qui est mandatrice pour la signature, pour signer cet appel. L'association est très active, l'une des plus actives en Pologne. C'est la seule qui organise les Gay Pride dans plusieurs villes en Pologne, néanmoins à Poznań. La Gay Pride, elle a pris la forme de semaine arc-en-ciel qui est très intense, avec beaucoup d'événements, aussi bien culturels que des rencontres, des débats, des animations de rue, des festivals de films, des concerts. C'est vraiment unique en Pologne. C'est une association aussi qui vient de créer, ça va être ouvert à partir de la semaine prochaine, une permanence pour les personnes appartenant à la communauté LGBT d'origine ukrainienne, où ils auront un accueil dans leur langue maternelle, où ils pourront se rencontrer. C'est une association également qui accompagne aussi bien les jeunes personnes en cherchant un soutien que des familles qui cherchent aussi un accompagnement. Voilà l'exemple de Jean Long tout à l'heure explique bien un peu la diversité de l'action de cette association, voilà, qui est très très engagée, qui nous a promis que la prochaine fois qu'on va se rencontrer, il sera présent. La représentante, elle est, pour son excuse, peut-être en Pologne, voilà, elle participe à un séminaire justement en international à Varsovie, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas venir, qui se tient justement ce week-end concernant l'accompagnement des personnes LGBT dans l'Europe. Voilà, c'est un séminaire très très important qui va porter sur 2 années de coopération. Alors elle s'excuse, l'excuse est portée par moi en ce moment, et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ils sont très très engagés, très ouverts aussi à cette initiative que nous avons eue de nous réunir tous, aussi bien avec l'arc-en-ciel, avec Casa Lambda de Barcelone, et le témoignage de Marek Scholz, voilà, qui bien sûr qui soutient les associations, mais voilà, sa position est un peu différente. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire au sujet de l'association. Et juste une chose, on a réussi même d'avoir la signature. Agnieszka, elle a signé hier la charte à Varsovie, et nos amis nous ont envoyé, voilà, le scan. Et alors, elle est déjà signée par Stonewall Group à Poznań. Je voudrais remercier Stonewall, c'est une organisation vraiment très active. C'était un exemple que c'est vraiment très important de parler et d'être actif dans le domaine des droits des personnes LGBT+, dans chaque ville, dans chaque campagne. C'est très simple d'être pro-LGBT dans le capital, c'est très simple de lutter pour le droit des personnes LGBT à Londres, à Paris, à Varsovie, mais ce sont les hommes et les femmes qui ont fait des choses fantastiques dans une ville qui est plus petite, qui est devenue la capitale LGBT plus de Pologne, car c'est vraiment ce qui se passe en Pologne, c'est vraiment plus arc-en-ciel que ce qui se passe à Varsovie. Alors, merci beaucoup pour leur activité. Oui, abonnez-vous à Facebook pour des choses fantastiques. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Les associations présentes au Pologne, LGBT+, ici en Europe, du
et à l'identité de genre, de lutte pour l'égalité des droits des personnes LGBT+, de sensibilisation et d'information sur les problématiques LGBT+, d'écoute et de prise en compte des personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle et ou identité de genre, de création des liens sociaux entre personnes LGBT+, ou sympathisantes, réaffirmant le droit, les droits et libertés issus des articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, du traité d'Amsterdam de 1999 ratifiant ses dispositions, de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adopté par le traité de Lisbonne et entré en vigueur le 1er décembre 2009, consacrant l'interdiction de toute discrimination liée à l'orientation sexuelle. Constatant, s'il vous plaît, constatant que ces droits et libertés sont interprétés et appliqués de manière différenciée entre les différents États membres de l'Union européenne, à savoir que le mariage homosexuel est reconnu dans 14 États et l'union civile est légalisée dans 18 États. L'adoption homoparentale est légalisée dans 13 États. La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui pour les personnes LGBT+, sont autorisées suivant certains critères ou interdites. Les personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle et ou l'identité de genre sont diversement prises en compte. La répression des actes LGBT+ forts est inégale. Ils s'engagent à défendre dans leurs États respectifs la mise en application des lois et traités européens déjà applicables, promouvoir auprès des associations et fédérations LGBT+ la mise en place d'un discours commun par la création d'une structure européenne commune afin de permettre l'échange des problématiques, le soutien des associations locales, la progression et l'harmonisation des droits européens. Interpeller les parlementaires européens sur ces thématiques,
c'est un peu et on va peut-être arrêter la caméra.